trouvé des amphores qui dataient de plusieurs centaines d'années, même millénaires. Et plus récemment, on a trouvé des bouteilles de champagne ou des bouteilles de vin qui avaient coulé il y a plusieurs dizaines d'années. Certaines même avaient coulé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les gens qui les dégustaient y trouvaient un très bon goût. S'il y a deux choses qui sont importantes, c'est non seulement de vivre longtemps, mais de vivre bien. Et nous, notre recherche, c'est élever un vin qui, dans le temps, va se bonifier. Et c'est le cas des Bandols pendant des décennies. Et évidemment, si on peut arriver à gagner une ou deux décennies de plus, ça peut nous intéresser. Voilà. Belle matière en bouche, une belle structure, des notes fruits noirs très très mûres, des notes également presque un petit peu chocolatées, donc on va aller vers des arômes secondaires mais qui ne sont pas encore appuyés aujourd'hui. Donc c'est un vin d'avenir.